Acteur, cascadeur, producteur, boxeur. La légende du cinéma français Jean-Paul Belmondo s'est éteint ce lundi 6 septembre à l'âge de 88 ans. Star du box-office hexagonal, il n'est ne restait pas moins un père de famille. Quatre enfants sont ainsi nés de deux unions de l'acteur, dont trois avec sa première femme Élodie Constantin, avec qui il est resté pendant 16 ans. Jean-Paul Belmondo est devenu père pour la première fois dès l'âge de 21 ans avec la naissance de sa fille Patricia en 1953, fruit de sa relation avec Élodie Constantin. L'aîné des enfants Belmondo suivra les traces de son père en intégrant la grande famille du cinéma, mais derrière la caméra, en tant que script. Elle a notamment travaillé sur le film Les Galettes de Pont-Aven, une comédie sortie en 1975 avec Jean-Pierre Marielle. Mais en 1994, un drame survient. Prise au piège dans l'incendie de son appartement parisien, Patricia décède à l'âge de 40 ans. Elle repose depuis au cimetière de Montparnasse à Paris. En 1960, Jean-Paul Belmondo devient père pour la deuxième fois. Il accueille ainsi une fille prénommée Florence, toujours issue de son union avec Élodie Constantin. Préservée par ses parents et discrète médiatiquement, Florence Belmondo décide de s'installer aux États-Unis avec son mari Chris Waters. Elle deviendra notamment mannequin pendant plusieurs années. En 1963, Jean-Paul Belmondo et Élodie Constantin accueillent leur troisième enfant, Paul Belmondo. L'unique fils de Bébel, qui porte le même prénom que son grand-père, le sculpteur Paul Belmondo, deviendra un célèbre coureur automobile, avant de se reconvertir en tant que consultant pour plusieurs médias sportifs. Paul Belmondo est également comédien. Il a notamment joué dans plusieurs pièces de théâtre, est apparu dans plusieurs films et téléfilms. En 2003, à l'âge de 70 ans, Jean-Paul Belmondo devient le père d'un quatrième enfant, une fille prénommée Stella, née de son union avec l'ex-Coco Girl Nati, avec qui il a filé le parfait amour entre 1989 et 2008. Très bonne élève et étudiante à l'école internationale bilingue, Stella avait confié à Paris Match qu'elle souhaitait s'inscrire à Sciences Po, tout en n'écartant pas totalement la piste d'une carrière dans le milieu artistique. Je ne sais pas si je vais pouvoir y échapper, mais il est vrai que, dans notre famille, tout le monde exerce plus ou moins un métier artistique. Avait-elle confié ?